Bonjour. Donc c'est à moi qu'incombe la dure charge de vous ouvrir l'appétit, comme c'est bientôt l'heure de manger. Donc là, pendant une vingtaine de minutes, on va mettre de côté la technique, on va mettre de côté tout ce qui est méthodologie, et on va juste parler d'une façon différente de travailler au quotidien. Donc je suppose que la plupart des personnes présentes ici savent ce qu'est le télétravail. En fait, le télétravail, c'est tout simple. C'est travailler en dehors des locaux de votre employeur. Donc il existe différentes typologies de télétravail. Travailler à domicile, donc ça c'est le télétravail que je pratique. Donc j'ai un bureau chez moi et je suis en permanence chez moi. Voilà. Hors domicile, donc les personnes qui veulent garder un contact avec d'autres personnes peuvent se retrouver dans des espaces de coworking, ça il y en a de plus en plus. Des cafés, il y en a qui vont au McDo parce qu'il y a le Wi-Fi, etc. Et il y en a un qui est de plus en plus en vogue, un peu à la mode, c'est nomade. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis à Paris, dans une semaine, je vais travailler depuis Barcelone, après je vais aller à Vienne, etc. En termes d'organisation, celles dont on parle le plus, c'est celles qui sont en full remote, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de bureau. Là, vous avez des entreprises comme Automatic qui développent WordPress. Donc, ils sont un peu plus de 500 employés dans 50 pays. Donc, ils ont des contraintes aussi de fuseau horaire. Il y a le télétravail traditionnel, celui que je pratique, où là, mon employeur a un siège social bien identifié. Donc, ici, à Paris, et on est seulement deux à être en province. Et le télétravail à temps partiel, donc là il y en a aussi dans mon entreprise, donc à Wayzambly, où un ou deux jours par semaine, les salariés peuvent faire du télétravail. Alors par rapport à ce qu'on parle généralement du télétravail, moi j'ai choisi de vous présenter les difficultés auxquelles on a été confrontés, parce qu'il y en a. On règle certaines difficultés du travail au sein d'un bureau, mais il y en a d'autres qui se présentent. Et ma présentation va se concentrer là-dessus. Alors la première des difficultés à laquelle on va être confronté, c'est certainement la solitude et l'isolement. Alors ça se manifeste de plusieurs façons, et il y a plusieurs causes à ce mal-être. La première, c'est la sensation de rien avoir à faire. Parce qu'à l'inverse, ceux qui sont de l'autre côté vont avoir la sensation que vous croulez sous le travail. Donc pour ne pas vous surcharger, en fait, ils ne vont pas vous donner 10 000 tâches à faire. Et vous, de votre côté, vous allez avoir l'impression de « ils m'ont oublié, c'est pas sympa, j'ai rien à faire ». Et une deuxième conséquence de tout ça, ça va être une baisse du moral, parce que vous commencez à vous ennuyer, un peu à tourner en rond, et vous allez avoir envie de faire autre chose, du coup, autre chose que votre travail. Donc là, la solution que moi j'ai trouvée et qu'on partage avec l'autre personne qui fait du télétravail en province, en fait, c'est d'être proactif vis-à-vis de vos collègues. Ne pas attendre que le travail tombe, c'est-à-dire partager le plus possible le travail que vous êtes en train de réaliser, comme ça ils ont une vision de ce que vous faites. Donc c'est, nous en tant que développeurs c'est assez facile, committer souvent, pousser votre travail, donc ça va un peu à l'encontre de la présentation d'Etsy ce matin, où ils font, de ce que j'ai compris, pas trop ça, mais committer le plus possible, partager le plus possible votre travail. Comme ça, vos collègues voient votre avancement. Et une autre chose à faire aussi, c'est gardez-vous une pile de travail à faire pendant que vous avez un petit trou. C'est-à-dire, moi, on a en permanence beaucoup d'issues ouverts sur nos logiciels. C'est des petites issues qui sont faciles à traiter. Et si à un moment, vous avez le sentiment de ne pas avoir de travail, et ben vous pouvez aller taper dedans et attendre qu'une nouvelle grosse tâche vienne, qu'on vous l'assigne. La deuxième chose, ça va être de provoquer des échanges informels
essayer un peu de recréer, avec vos collègues qui sont à distance, la discussion qu'ils peuvent avoir à la machine à café. Donc, allez discuter avec vos collègues. Donc là, ça va être la plupart du temps de manière écrite. Donc. Et ainsi, vous liez plus connaissances et vous n'avez pas la sensation d'être isolé comme ça. Et provoquer ces échanges informels, c'est un deuxième problème, c'est la communication. La communication, c'est-à-dire où est-ce que je vais pouvoir trouver l'information ? Qu'est-ce qui se passe dans ma société ? Moi, je ne suis pas présent dans les locaux, ça se trouve, il se passe quelque chose qui est important et je ne suis pas forcément au courant. Et donc, la difficulté, c'est d'avoir le même niveau d'information que vos collègues qui sont dans les locaux. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place assez facilement. Déjà, n'importe quelle réunion, décision qui est prise, faites un résumé écrit et vous l'envoyez à absolument tous les participants. Comme ça, vous gardez en permanence une trace et ceux qui ne sont pas dans les locaux voient quelle décision, de quoi il a été question pendant la réunion. Évitez de disperser l'info dans des points informels, c'est-à-dire que la discussion que vous avez au café, ça doit rester une discussion, on va dire, pas importante. Ne prenez pas, essayez de ne pas prendre de décisions, de choses à faire pendant la pause café, parce que ceux qui ne sont pas là ne seront pas au courant. Il y a quelque chose qu'on a mis en place depuis un bon moment et qui marche bien, c'est un Q&A. Donc nous, on le fait vraiment régulièrement, c'est toutes les deux semaines. On peut ralentir le rythme, je pense, une fois par mois, où tous les salariés de la boîte, en amont, préparent tout un tas de questions. Et les associés de la boîte, en fait, répondent à ces questions-là et en même temps présentent un bilan de la boîte. Et comme ça, depuis votre domicile, vous pouvez interpeller donc vos collègues en posant des questions et parfois rattraper une information que vous n'avez peut-être pas eue. Et une fois par semaine, et ça c'est limite le point le plus important, jusqu'à présent on faisait un stand-up où on réunissait absolument toute la boîte et pendant une demi-heure, chaque pôle présentait ce qui s'est passé la semaine passée et ce qui va être fait la semaine à venir. Donc déjà, il faut monopoliser toutes les sociétés pendant une demi-heure. Ce n'est pas forcément simple. Maintenant, ce qu'on a mis en place, c'est que ce stand-up, il se fait par écrit. Il y a une personne par pôle qui remonte cette information-là et une personne qui centralise tout. Elle fait un mail. Bon, en réalité, on ne fait pas vraiment un mail, on utilise une solution qu'on développe en interne. Toute la boîte reçoit ce résumé. Donc, depuis chez moi, donc j'habite à Clermont-Ferrand, la société est à Paris. Depuis chez moi, je sais que le pôle marketing, la semaine dernière, a traité tel sujet et cette semaine va traiter un nouveau sujet. Et ainsi, on garde le même niveau d'information, quel que soit d'où on travaille. Et ce genre de point peut être aussi mis en place si vous ne faites pas de télétravail, en fait, parce que à travers les pôles, vous ne partagez pas forcément l'information. Et la dernière grosse difficulté à laquelle on est confronté, c'est la collaboration avec ses collègues et surtout comment avoir la culture de l'entreprise. Ça se trouve, votre entreprise a une culture très forte, a mis en place des choses très fortes. Et parce que vous êtes à distance, ce n'est pas forcément simple de s'inspirer de cette culture, de s'en imprégner. Voilà. Et comment fonctionne l'entreprise ? Déjà, une bonne chose, c'est lorsque vous arrivez dans ce type d'entreprise, c'est un onboarding qui est assez intensif. L'onboarding, c'est accueillir le nouveau salarié, en fait, et lui faire un accueil un peu spécial, quoi. Ne pas le laisser dans son coin à Clermont-Ferrand. Pour l'onboarding, je suis venu une semaine sur deux à Paris. J'étais une semaine à Paris, une semaine à Clermont-Ferrand, pendant 2 mois. Le premier jour, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas fait de code, en fait. J'ai passé 5-10 minutes avec chaque salarié de l'entreprise,
Ça m'a permis de mettre un nom sur un visage, de savoir qui fait quoi. On a une tradition au sein de Wysambly, c'est qu'au bout d'une semaine de travail, chaque personne fait une présentation. On dit qu'on pose son Wys, c'est lié au logiciel Wysambly. Et donc on fait une présentation sur le thème qu'on veut et ça permet de finir de tisser les liens et d'avoir un onboarding qui est généralement assez réussi. Dès le début, ce qu'il est important de faire aussi, c'est de définir le rythme auquel vous allez venir dans les locaux. C'est-à-dire que je fais du télétravail, mais je ne suis pas coupé totalement de la société avec laquelle je travaille. Actuellement, je viens toutes les deux semaines sur Paris. Ce rythme est, à mon sens, un peu élevé. Il pourrait être descendu, mais bon, voilà. Je suis là toutes les deux semaines, ça me permet de passer du temps avec mes collègues, faire une sortie, etc. Participer aux événements, même si vous êtes en distance. Nous, il y a des événements, il y a des journées thématiques, il y a des petits déjeuners qui sont organisés. Si je ne suis pas à Paris le jour où le petit déjeuner est organisé, j'ai mon petit déjeuner qui m'est livré quand même chez moi. Chaque jour, chaque année, pour Halloween, donc c'est lundi, toute la société, on se déguise pour célébrer Halloween. Donc nous aussi, à distance, on se déguise. Voilà. Donc, quand mon fils est rentré le soir, il m'a vu déguisé, il n'a pas trop compris. Il est important aussi de célébrer les victoires, même les plus petites. Un commercial qui a fait une super vente, on va le célébrer ensemble. Donc déjà, nous, à l'intérieur de Wysambly, dans les locaux, on a un gros gong où on vient taper dessus. Chaque millier d'euros vendus, on met un grand coup, quoi. Et pareil, quand on a une grosse feature qui est sortie, on va célébrer ça. Donc nous, à distance, on va le faire à travers Slack, en fait. Et la dernière chose, c'est mesurer le travail fourni et pas la présence dans l'entreprise. Alors, c'est un truc qui est un peu compliqué à faire, dans la culture française qui est assez présent, c'est casser le mode présentiel. Vous ne faites pas votre 9h-17h, ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que vous avez un travail à réaliser. Et à partir du moment où vous le faites en temps et en heure, même si ça prend moins de temps qu'il était prévu, c'est pas grave. Du coup, moi, je peux me permettre un après-midi de terminer à 15h parce que j'ai telle ou telle chose à faire et ça ne pose aucun souci. Donc là, c'était Halloween l'année dernière. Donc, moi, j'étais déguisé en Teletubbies. Bon, ça fait pas bien peur. Et donc, tous nos collègues qui étaient déguisés au sein de Wysambly sont venus nous voir. En fait, on a ce système de caméra qui est installé en permanence dans la boîte, donc les personnes peuvent passer. Nous, on est connectés ou pas, il n'y a aucune obligation. Si j'ai besoin de me couper, je me déconnecte de la vidéo et c'est fini, quoi. Pour faire tout ça, vous allez avoir besoin d'outils. Alors rassurez-vous, ces outils, pour la plupart, vous les avez déjà. Là où il va falloir en trouver, c'est pour faire tout ce qui est réunion en meeting. Et là, il y a une techno qui est super, qui est le WebRTC. Donc, utiliser cette techno-là, donc là j'en ai cité quelques-uns, Framatalk, Apirin, Talki, le premier est vraiment, je trouve, bien, parce qu'il dégrade intelligemment l'image pour favoriser le son, donc dans notre cas c'est plutôt bien. Et puis surtout, avec le WebRTC, vous ne vous posez pas de problème à savoir est-ce que ça marche sur du Linux, sur du Mac, sur machin, il vous faut un navigateur récent. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent autre chose que IE dans cette salle. Au niveau des appels, si la vidéo c'est trop compliqué, donc le premier, roll call, on l'a découvert il y a deux semaines. Je ne sais pas ce que c'est exactement, je sais que c'est du HTML5, mais quoi derrière exactement, je ne sais pas. Il y a les Slack calls, donc les calls qui sont intégrés dans Slack, bon le problème c'est qu'il vous faut un plan payant. Skype, et là Skype on retombe dans les mêmes problématiques, est-ce que ça marche sur mon ordinateur, etc. Au niveau du messaging, donc au niveau du chat, ça c'est une partie qui est très importante. Nous on utilise Slack à fond, je ne sais plus
On a eu de temps en temps, Slack envoie les statistiques, c'est du genre 10 000 messages par jour, un truc comme ça. Mattermost, c'est une alternative libre, Hipchat. Et au niveau du code, bah, ça, je pense que vous n'aurez pas grand-chose à mettre en place. Du GitHub, GitLab, Bitbucket, les solutions qui existent sont assez grandes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une forge, juste un dépôt Git, etc. Donc vous pouvez partager votre code et continuer de travailler comme vous le faites actuellement. Bien sûr, faire du télétravail, ça représente quelques avantages. Donc, c'était pas le but de ma présentation, mais je vais en lister quand même quelques-uns. Moi, le premier que j'ai, c'est pas de transport. C'est fini, je passe zéro temps dans le transport. Je me suis amusé à calculer tout à l'heure. Rien que 15 minutes de transport aller, ça représente une perte de 3 h 30 par semaine. Au niveau de mon organisation, je suis assez libre et mon temps de travail est optimisé. C'est-à-dire que ben, là, les 3 h 30 que je gagne, je vais pouvoir le réinvestir dans du travail et je vais surtout aussi pouvoir le réinvestir dans ma famille. Je passe plus de temps avec mon fils. Et de temps en temps, on peut se faire un petit plaisir. Donc là, c'était un de mes bureaux cet été. Voilà. Donc la fenêtre ouverte, les cigales et le soir, une petite trompette. En termes de ressources, si vous voulez vous documenter, je vous conseille la conf qu'a fait mon collègue, donc Pierre Tachoir. Il l'a fait en mode movie versus life. Donc voilà, les gens pensent qu'on travaille en slip. Ben, en fait, c'est pas vrai. Et il vous explique pourquoi. Il a fait tout un tas de choses comme ça. Il y a un assez bon livre qui est Remote par l'entreprise 37 Signals. Donc c'est ceux qui font Basecamp. Zapier a sorti un guide sur le télétravail qui est assez intéressant et ils sont allés chercher plein de témoignages dans plein de sociétés différentes. Donc j'ai cité Automatique, qui est un des précurseurs. Il y a 37 Signal dedans, il y a Buffer. Donc tout ça, ce sont des entreprises par contre qui sont en mode totalement décentralisé. Donc c'est un peu le mode le plus extrême, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Déjà, si vous voulez faire du télétravail, si vous en avez envie, que votre employeur en a envie, vous pouvez commencer par faire un jour par semaine, ça vous donne une idée, et après le généraliser. Sur Medium, vous cherchez Remote Working, vous trouverez beaucoup d'articles intéressants. Et Remotive.io, donc c'est un site qui envoie une newsletter toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, où on trouve pas mal de choses intéressantes dedans. Et pour terminer, faire du télétravail, il est important d'avoir un vrai bureau. Là, pour le cas, c'est le mien. Si vous pensez faire du télétravail, pardon, si vous pensez faire du télétravail depuis votre canapé, votre dos vous rappellera que ce n'est pas bon au bout d'une semaine. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail, me contacter sur Twitter et je peux venir faire aussi des brown bag lunch dans votre entreprise si ça vous tente. Merci. Merci. On a le temps pour une ou deux questions, si quelqu'un a envie. Bonjour, Ubi Franck, je suis télétravailleur indépendant, donc je comprends très bien tout ça. Ma question, c'est sur les outils de communication utilisés. Il y a beaucoup je trouve, de dispersion à cause d'utilisation d'outils différents pour les différents besoins. Je comprends bien, hein, la vidéo et la conversation sur Voice, c'est ça? Je sais plus. Framatalk, le chat et la voix sur Slack, potentiellement payant. Est-ce que vous avez déjà testé Hangouts? Hangouts de Google. Alors, Hangout, on l'a déjà testé. La problématique donc, de tous ces outils, et en particulier de Hangout aussi, c'est qu'il faut, si on est nombreux, une bande passante assez costaud. Et à Clermont-Ferrand, on n'a pas encore la fibre. Donc, du coup, non, on n'a pas. On utilise très peu Hangout. Et après, il y a une autre raison à ça, c'est qu'on est assez. On essaye au maximum d'utiliser des logiciels libres, ce qui n'est pas le cas d'Hangout, ce qui est le cas de toutes les solutions que j'ai présentées par contre. C'est une des raisons. Bonjour, j'ai une autre question. Comment
tu arrives à gérer la part de confiance, je fais du télétravail aussi depuis quelques mois, comment tu arrives à gérer la part de confiance et le regard des autres vis-à-vis du télétravail en fait? Tu as l'air d'être dans une organisation qui est ouverte à ça, mais est-ce qu'il y a des gens dedans qui ont une ancienne culture réticente et qui ne font pas confiance, qui se disent bah, il est chez lui ou il est quelque part et on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas comment il travaille? Ce qui nécessite de la confiance, comment tu arrives à obtenir cette confiance-là en fait? Donc mon collègue Pierre, ça a été le premier à faire du télétravail au sein de Wisambly, et Wisambly était réticent à faire du télétravail, donc il a su les convaincre. L'offre d'emploi ne parlait pas du tout de télétravail, et lui il les abordait en disant voilà, j'ai une expérience dans le télétravail, vous le savez pas encore, mais vous voulez en faire. Ça a fonctionné, il a été le pilote. Il leur a apporté la confiance. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une volonté des deux parties, déjà, pour faire du télétravail. Et après, j'ai envie de dire que vous avez besoin, de votre côté, d'exagérer un peu tout ce que vous allez faire pour dire ben, je suis de bonne volonté, mon travail, je le fais, il n'y a pas de problème. Et on essaye d'accentuer ça pour dire voilà. Mon travail, il est fait, c'est fait dans les temps, c'est bien fait, etc. On le pousse pour que ça soit visible. Après, il y a la vision des autres, des personnes qui sont extérieures à la société, qui peut être assez marrant. Donc, tous les matins, j'amène mon fils à la crèche. Et en fait, en rentrant, un matin, il y a un de mes voisins qui est sorti, qui m'a salué, qui m'a posé quelques questions, et qui m'a demandé si ma recherche d'emploi se passait bien. Voilà. Et donc, c'est une personne qui a pas loin de 90 ans, et lui expliquer le télétravail, ça a été une partie de plaisir, quoi. Mais au final, bah, il sait que je travaille, et voilà, bah, je suis chez moi toute la journée. Enfin, j'ai envie de dire, à la limite, ça me regarde moi. Mais voilà, on leur explique simplement. Ma mère n'a pas forcément compris non plus. Elle a compris que c'était l'inverse, que de temps en temps, il y avait toute la boîte qui venait chez moi. Ce qui n'est pas le cas. Ben, merci, Manuel. De rien. Bon appétit.